Ça fonctionne enfin. Ah, voilà. C'est ce qu'il faut, hein, c'est que ça fonctionne quand même. Alors, quand même aller écouter un peu mon stream du coup, parce que sinon ça ne va pas fonctionner correctement. Alors, est-ce que ça fonctionne correctement? A l'air d'aller, je pense. Voilà, ça devrait fonctionner. Je vais juste attendre le petit joueur de Trap Tricks. Notre fameux joueur de Trap Tricks. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Est disponible aujourd'hui pour faire des duels. Octagon, est-ce que t'es là? Voilà. Désactiver les partages.
Alors. C'est pas du tout ce qui joue en face. Qui va me changer tout en ténèbres. Ou bien il va essayer de monter K aussi. Aussi. Même pas ça, même pas un OTK, ça va être un FTK. Va juste essayer de me FTK. Vas-y, essaye de me FTK. Ok, vas-y, je t'en... ce qu'il va me faire là comme un effet. Hop, qu'il va me donner un token. Un même token, fini. Donne des tokens, ok, super. Ce truc n'a pas de quick effect. Quelle trappe garder? D'abord que je sorte ma première trap tricks. Hop. Est-ce que je veux récupérer Gilanoa? Ah, ta 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 ta, Gilanoa, est-ce que... L'une va me servir à pulluer sur le terrain et l'autre va me servir. Ah, qu'est-ce que j'avais dit déjà? Elle va me servir de récupérer mes trappes. Sauf que je sais pas du tout ce qu'il joue, donc je suis même pas sûr que j'ai envie de garder ça. Donc on va garder un terrain pareil. On va taper avec ça. Et pas trop de tokens.
Je n'ai pas du tout ce deck avec ces serpents. Alors, vas-y mon pote. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie d'activer un effet là, ça doit. Active ou tu fais quoi? Alors mon grand, tu vas fermer ta grande gueule. Et tu vas jouer avec ce que tu as, d'accord? Eh oui, mon pote. Alors jouer avec ce que t'as. Attends, qu'est-ce que j'ai comme trappe? Étant donné que t'as pas voulu me laisser jouer, oui, on va chercher une trappe. Hein. Un peu plus tard. Ça changera rien, mon pote, t'as plus le droit.
Alors, on va aller pour cette tag. On note de niveau 4. Et voilà mon pote. Salut! Boubougella, comment vas-tu? C'est toi qui voulais savoir les trap tricks. Ah bah tu viens de voir le deck en action. Contre le nouveau deck. Bon, par contre, je connais pas du tout son deck. Là, les deux artefacts sont utiles, donc on va les laisser tous les deux fois 1, ça suffira amplement. Gamme ciel, il n'y a pas vraiment de saleté que j'ai vu en face, donc on va pas le prendre. Ça, c'est pour les tournois en time. Ça, pas besoin. Evenly match. Evenly match. Il me fait des terrains de fou, mais j'ai surtout besoin d'annuler ses effets. De ce tornado, j'en ai pas besoin. Quoique, il était un peu pète-cul, mais. Je vais laisser le deck comme ça. J'ai pas vu assez de choses dans son deck. Après, tu peux vocal avec moi si tu veux. Si c'est bien à toi, Bastien. Alors, ça, c'est une main qui est pas terrible. Ou bien qu'il y en ait quelques-unes. De toute façon, je vais utiliser une carte, donc on peut. Clairement mettre le maximum de pièges. Je sais pas si la Serra a besoin d'une trap tricks. Ouais, il me semblait bien. Elle a besoin d'au moins une trap tricks. Un Alistair. Alors, un Alistair. Ah, c'est juste un autre design. C'est juste un autre design. Je vais garder l'Infinity. Ça c'est certain, on va juste lui sortir. On va rien sortir du tout, on va le laisser jouer. On va le laisser jouer. Bottomless trap hole, il me semble que chez lui il n'y a pas trop de conneries assez casse-couilles. Ok, il fait une battle, ce qui est normal. Je pourrais répondre, mais je ne vais pas répondre, je vais le laisser taper. Un monstre à 1000. Donc en pire je le mets à poil. Non, je n'invoque rien, tu peux y aller. Alors, ma première trap tricks. Ma première trap trick, je sais pas, il est à poil le mec, c'est pas possible autrement. On va activer Sanctum. Tu veux. Ça t'amuse. Ça annule aussi ça, ok, pas grave. Alors, d'où vient que j'ai pas droit à ma battle? Une phase 1. Il m'a annulé ma pièce. Il m'a annulé ma battle. C'est bizarre ça que j'ai pas droit à ma battle. Il a mis une règle spéciale ou comment ça se passe?
Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Détruire Rome, mon pote, tu peux y aller, Franco. Franchement, tu peux tout péter si tu veux. T'as perdu. Tu as tellement perdu maintenant. Voilà. GG. Ah, il a enlevé ses deux haches. Ok. Moi, maintenant, je sais que ça peut s'annuler par hache. T'inquiète, des saloperies, j'en ai encore beaucoup pour toi. Non, j'ai pas trop envie de t'invoquer un truc. C'est pour que tu saches activer mes effets, tu peux aller te faire voir. Est-ce que j'utilise ma bottom? Je vais pas utiliser ma bottom, je vais attendre. Je vais faire un plus gros board. Si tu veux, on peut vocal sur Facebook, hein, y a pas de problème. Et ouais, oh, Dragoon si tu veux. Ah, Dragoon annule aussi les pièges. Ok, bon, on va lui mettre un kaiju dans la gueule, c'est pas grave. S'il n'avait pas eu deux haches, il en avait pas eu deux. Là il l'a. Là il l'a. Alors, il y a quand même des belles saloperies aussi. Ta 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 ta. La bottomless me servira pas autant à mettre la network. Mais attends, pas depuis le deck la network? Il y a une sorte de deck. Ah non, c'est aussi le Gréveillard, donc ça va. Qu'est-ce qu'on va virer? On va virer la Storming parce que c'est clairement pas ce qu'il a envie de faire. Et qu'est-ce qu'on va virer? Clairement les magies, on va laisser les magies. Et qu'est-ce qu'on vire encore une fois? Non, j'ai pas besoin de ça. Bon, bah c'est à moi de jouer le premier pour une fois. Eh ben dis donc, le deck, t'as pas envie de jouer en fait, comment ça se passe? Bon, les magies, t'assois dessus.
Voilà, les trois qu'il fallait péter, il l'a pas pété. C'est super. Chat qu'il a. Il avait trois cartes à péter, il les a pas pété. Bon, les magies, au revoir. Hein? Il a bien fait d'avoir mis Lairs of Darkness dans ce deck. Ouais, c'est vraiment un deck qui va invoquer en masse en fait. Ah, je connais un deck qui va détester Nibiru. Aïe aïe aïe. La chatte qu'il a eue a pété tout. Il a pété les deux cartes qu'il fallait pas péter, il a pas pété les autres. J'aurais mieux fait de... En fait, ouais, c'est ça. Il a regardé d'abord ce que je posais. Mieux fait de poser d'abord les autres cartes. C'est pas un petit joueur, ça. Maintenant que une de ces trois-là, c'est foutu pour lui. Ah, ça c'est Opta. Demacia Power. Hop, Demacia ça va Power. Opta. Bonjour, monsieur Pocky. Ça va. Est-ce que Pokistar est un pareil? Pokistar est un plaît à l'accueil. Pokistar, merci. Et toujours là, Poké. Pokéstar. Ah non. Attention, là qui m'entend pas. Y a-t-il quelqu'un dans ce serveur? Ils ont manqué de... Là là. Ah là 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 là, non.
Allô? Allô? Voilà, ça fonctionne. Ah, vive les mises à jour de Windows, j'adore. Oh ouais. Toi-même, Oh, les tu mises à sais. jour. On aime les mises à jour. Poké, poké, poké. Il va y avoir mon skin préféré, tout skin confondu dans League of Legends. Non, tu crois mort de Kaiser? Wow. Bah Oh. non, c'est pas pété mon deck, bien sûr. Tu couples ça avec un deck qui limite joue comme Monarque. Ça va, ça passe. On joue ensemble. Fait du 2v2. Ah, monsieur, on fait du 2v2. Contre qui? Je sais pas, je verrai bien. Meta accepte trap deck. Le mec, il est marrant. Il marque oui, jouez meta, mais par contre, attention, ne jouez pas des deck trap. Il vient de me voir, il a marqué ça, tout va bien. Eh bien, ok, bien. Bon, Moubou, je de là, j'espère que tu es là. Ça rime en plus. Bon, techniquement, le deck doit être à 45 cartes, pas à 46, donc à mon avis, il va falloir que je vire encore quelque chose. Mais techniquement, tu n'auras besoin que de 5 trappes. 5. Donc Dis-moi, tu Poké, as. est-ce que t'as des magiciens dans ton deck? Non. Ah, en fait, bon bah je pourrais pas jouer ça. What? Donc tu as la Deep Dark d'un Trapwall. C'est une des meilleures trappes, tout simplement. En fait, c'est une trappe qui. Et quasiment comme Bottomless Trap Hole, sauf qu'elle est un peu meilleure, c'est-à-dire que tu vas de suite bannir le monstre et pas le détruire puis le bannir. Voilà, c'est ça paraît anodin comme effet. Mais le seul coût de cette carte, c'est le fait que tu ailles au moins un monstre de niveau 5 ou plus chez l'adversaire. Ensuite, la Bottomless, elle te demande un 1500 points d'attaque. Et quasiment. Et on va dire que c'est assez générique pour la plupart des monstres. Donc elle s'active un peu plus facilement. Le seul truc, c'est que tu vas devoir détruire le monstre et puis le bannir depuis le cimetière. Le truc, c'est que si tu tombes sur un monstre qui ne peut pas être détruit, je suis pas sûr que ça le bannit quand même. Franchement, je pense pas. And if you do, ouais, c'est si tu le fais, tu le bannis. Donc clairement, les deux meilleures trappes, les deux meilleurs trapoules que tu puisses avoir. Tous les decks confondus de base. Alors les Trapôles, c'était une carte très méta à une époque, mais ça l'est toujours en fait, juste pour le deck Traptrix. Donc la Trapôle Grave Digger, ça veut dire l'enterré prématuré. Je me souviens plus exactement. Vraiment pas maturé. Mais je pense pas que c'est ça la carte. C'est une Trapôle qui annule les N-Trap en gros. Mais très clairement, à Alors, part entièrement comme. prématuré, c'est une carte magie normalement, je crois. Oui, il me semble aussi. Mais très clairement, ça, c'est une trappe qui va te permettre d'annuler les N-Trap. La Floodgate Trap Hole, elle, c'est la plus puissante. C'est celle qui te permet de mettre tout en face cachée. C'est-à-dire que si même l'adversaire invoque pendule qui fait 5 monstres pendule, tu les mets tous face cachée. Et après, tu l'OTK en un coup. Tu viens pas poké? Non, là, j'expliquais un deck. La Void Trap Hole, c'est. Aussi une des plus puissantes que tu puisses avoir. Celle-ci, par contre, elle demande quand même que ce soit un monstre invoqué spécialement avec au moins 2000 points d'attaque ou plus. Et alors à ce moment-là, tu négates l'effet et puis après, si tu le fais, tu la détruis. Et on n'en parle plus. Donc, tous les effets d'invocation, tu négates. La parallèle Xyz, ça c'est pour pouvoir te faciliter les Xyz. Et. Je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est juste pour faciliter tes Xyz en gros. Et les meilleurs Xyz que tu puisses avoir, c'est Utopie double. La Traptrix Rafflesia quand tu ne sais pas ce que tu vas avoir en face. Et la Traptrix Alomerus quand tu sais ce qu'il y a en face et que tu peux l'exploiter. Tu peux également utiliser Alomerus pour pouvoir agrandir un peu ton terrain. Par exemple, tu peux faire un Urtica avec une Serra
Et que je dise pas de bêtises, pour cette main-là, il te faudrait au moins Nepenthes. T'arrives à avoir Nepenthes, excuse-moi, Nepenthes. À ce moment-là, tu reçois littéralement le double des effets, c'est-à-dire que tu reçois une Serra et une Nepenthes en termes d'effet. Chaque fois qu'il y aura une trappe qui s'activera, tu auras un double effet. L'arbre de Naturia, ça c'est simplement pour pouvoir switcher entre tes trap tricks et péter les MP de ton adversaire assez facilement. L'anti-spell fragrance, c'est quasiment le même effet que Imperial Order. Un détail près, c'est que tout simplement Imperial Order, ça annule totalement les magies. Et anti-spell flagrant, ça met simplement les magies face cachée. Donc tu auras le temps pour les péter par exemple. Apparemment un leak sur les deux prochains champions, Alors, par contre, je t'entends avec ta vidéo. le tireur. On va le rendre muet. Voilà, merci. Alors, le cowboy gagaga, ça c'est simplement pour terminer ton adversaire s'il lui reste que 800 points de vie ou voire 1008 si tu arrives encore à temporiser le temps d'un tour. Les artefacts, très fort avec Trap Tricks, ça te permet de péter les MP de ton adversaire, les monstres de ton adversaire. Et aussi de pouvoir negate la plupart des monstres casse-couilles qui pourraient sortir de l'extra deck. Qui fonctionne forcément avec l'artefact Sanctum. Pour pouvoir mieux les invoquer. Toutes les trappes sont à x2 sauf les trappes continues. Ce sont les seules trappes que tu ne pourras pas aller chercher. Il y en a 5. Et les trappes normaux. Sont toutes en x2 pour aller avec la trap trick qui elle. Oula, on me demande des MDR, désolé, j'ai plus. J'ai dû rebrancher. Oh, ok. Je suis en train d'expliquer pour toi là. Donc tu auras compris qu'Utopie double, ça c'est pour Utopie. Infinity et le guerrier fantôme, comment ça s'appelle? Le Phantom Knight. Ce sont deux trappes en fait qui sont faciles à activer. Ce sont TN trap, très clairement. Au niveau des trap tricks, Mantis est sûrement la meilleure parce qu'elle va pouvoir te permettre d'aller chercher la trap trick qui te permet. Que tu auras vraiment besoin et Gilanola est la plus importante lorsque tu commences avec Mantis. Donc toujours aller chercher Mantis, Gilanoa et tu commences ton combo grâce à ça. J'en ai parlé. Les trap tricks qu'on met qu'une seule fois, elles sont ici. La Mirmelo, c'est pas la meilleure mais c'est une des meilleures pour commencer. Donc au moment où tu l'invoques, tu reçois au moins une trappe. Et grâce à ça, bah, tu auras au moins une trappe à jouer contre ton adversaire et tu sauras faire ta Serra. Le plus important, c'est quand même au moins de sortir Serra. Tu arrives à faire Utriculara, ça peut être encore intéressant aussi. Mais à ce moment-là, il faut essayer d'avoir les deux. Il faut soit avoir la Utricularia, arrivé, plus au moins Nefentes ou Serra. Voilà. Faut essayer d'avoir au moins ces deux cartes-là sur le terrain. Allô? Bonsoir, Ankai, comment vas-tu? Eh toi, bah oui, écoute, ça va.
Je viens de voir que j'expliquais dans le beurre depuis tantôt, donc ça me casse un peu les pieds. Mais bon, ça va sinon. Ok, ben alors du coup, on va faire quelques duels avec Brian. Hein. J'explique dans le vent, ça va pas être très 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 agréable. En gros, quelqu'un m'avait demandé, tu fais du coaching comme marqué dans le titre. Oui, mais en gros, on m'avait demandé ma decklist sur TrapTrix. Sauf que ils n'étaient pas là. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais juste démute mon pote Brian. Brian, Brian, voilà, je te démute, Brian. Dire quoi. Et puis comme je l'avais déjà Oh. quoi donc? Bah, je t'ai démute. Ah, J'ai tu une m'avais question. mute en fait. Ouais, je t'avais mute. J'ai une question. Bah vas-y, je t'en prie, pose ta question, ok? Driton. Driton, j'en ai entendu que du bien. Mais j'ai pas encore essayé le deck. Apparemment, Ok, Driton, ça s'écrit comment pas pas comme ça. essayer de hacker. Dritron. Oh, ok, d'accord. Mais il paraît qu'il est assez over-cheaté. Mais dis-moi toujours ta question, j'essaierai d'y répondre. C'est une carte d'OCG, je pensais qu'ils avaient déjà banni une carte alors que le deck vient à peine de sortir. Etc., ça pourrait coller parce que sur la porte de Yumi, si vous regardez bien, à l'extérieur de la porte de la maison où se trouve Yumi, donc de la maison de Et son Brian, ex. je t'embête ou comment ça se passe? Non, c'est pas bravo, pas une bonne mise. Je te chercher des noises. Réponse fret. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je te coach ou pas? Me coacher moi? Ben oui. Comme d'hab, Ah, hein, tant qu'il n'y a personne. Ah oui, j'ai l'habitude à la force. Non. Oh, j'ai l'habitude de te servir de punching ball. Non mais vas-y, viens, on va aller se taper un peu de duo, tiens. On va ramasser si tu vois que j'ai fait des erreurs ou quoi. Ah, il a du mal à deck builder en fait, Ankai. Bah écoute, Ankai, si tu viens sur Discord, on pourrait regarder un petit peu les decks ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Essaie de trouver un pote histoire qu'on puisse se faire du 2v2. Il faudrait qu'on se trouve un pote pour ça. Alors, bah déjà, déjà Philippe ne sera pas là. Bon, désolé, Ah, je vais il y a toi. dormir. Ok, ça va, pas de problème. Bah, Driton, Driton, Dritron, plutôt Dritron. Déjà, c'est un deck rituel, hein, donc c'est déjà pas un deck assez facile à jouer. Tu as déjà joué, sinon, à part ça? J'ai pas le vocal, ok, bon, bah, mais je vais t'expliquer comme ça, alors à l'oral, il n'y a pas de problème. Dritron, 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 Dritron. Déjà Dritron. Oui, bien sûr. Je vais peut-être créer un nouveau deck. Et voilà. Alors, on va effacer tout. On va rajouter tout. Tac, tac, tac. Ça, c'est un OCG. On va pas les jouer maintenant. Et voilà. Alors, par contre, les Héralds, ça se joue. Je pense que c'est celui-là le meilleur. Oh ouais, il a que 2000 points d'attaque. Ça va être tellement facile. JPP vocal. JPP. Je peux vous écouter? Ouais, il n'y a pas de problème. Écoute, à ce moment-là, autant rester sur le stream. Hein, si tu sais pas parler, autant rester sur le stream que tu saches au moins poser tes questions. Mais très clairement, à quel niveau est-ce que je pourrais t'aider là-dessus? Parce que j'ai entendu que du bien à propos de ce deck, hein, franchement. Par contre, il me manque un monstre primordial. Tac, monstre. Perry. Pierre. Et je pense qu'il doit être dans les niveaux 1 ou 4.
Moi, je peux te répondre à des questions, mais bon, à un moment donné, je peux pas avoir vu tous les decks non plus. Donc, si tu as des questions bien plus précises, du style, est-ce que je joue telle ou telle carte? Est-ce que telle ou telle carte pourrait aller avec tel ou tel deck? Ici, je ne sais pas du tout quel genre de niveau tu as. Du coup, je suis restreint et j'arrive pas à faire une version qui est cool. J'ai toutes les cartes, du coup je suis restreint et j'arrive pas à faire une version qui est cool. Tu as juste l'archétype, Riton. Bien ça. J'ai bien compris l'histoire en tout cas. Je cherche juste une carte, je me souviens plus exactement son nom. Où es-tu? Sauf Nova. C'est bien ça. Meneur de 26 cartes, il destroy bad battle et c'est tout. C'est spécial summon one. Le sanctuary in sky in this field. Can... C'est pas cette carte-là. Ah, j'ai oublié le nom de... du monstre. Tu sais que tu peux aller rechercher deux fairies. Pas de bêtises. Non. La petite extraterrestre Eva. Voilà Eva, il me semblait bien que tu étais niveau 1 Eva. Alors, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir jusqu'à deux autres monstres light. Et, oh, ce quel hasard, il n'y a que du light. De votre terrain ou de votre cimetière, ajoutez le même nombre de light depuis Étonnant. le deck. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, Driton, le fait qu'on a beaucoup entendu parler de Driton, c'est le fait que tu vas pouvoir sortir l'Hérald ultime. Et l'Hérald ultime, lui, il te dit un effet de monstre, un piège, une magie, pas de problème, vous l'annulez, vous jetez une carte fairy depuis la main, tu jettes Eva, tu bannis deux cartes de ton cimetière, tu vas en chercher deux depuis le deck, hop, tu les as en main. Facile et simple. T'as encore deux negates. Et tu negates tout à ton adversaire. Avoir negate trois cartes chez l'adversaire, tu peux dire qu'il a presque plus rien en main. Le seul souci avec ce monstre-là, c'est qu'il a que 2000 points d'attaque. Du coup, il peut se faire passer par n'importe quel monstre qui a au moins 2100 points d'attaque. Et si je dis pas de bêtises avec Drit. Les gens jouent encore une carte qui empêche les invocations spéciales. Je crois que non, pas Drinda. Je crois que Opta doit connaître ça. Est-ce que tu connais un monstre qui te permet d'annuler n'importe quelle invocation chez l'adversaire? La vanité. Tac, 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 vanité roller. Je pense qu'il est même light lui-même, non? Spécial summon. You open un canon spécial summon monster. Exactement ça. Après, en moins cher, il y a le démon de la vanité qui lui dit que personne ne peut invoquer, mais bon, techniquement, il y a moyen de sortir ce monstre-là assez facilement. Après, se dire une chose, c'est que les decks rituels, c'est des decks assez compliqués à construire. Tu dois essayer d'équilibrer entre le fait que tu aies assez de monstres à sacrifier, assez de monstres à avoir dans la main à invoquer rituellement, et assez de cartes magie pour pouvoir les invoquer. Donc toutes les cartes qui vont t'aider, ce sont des cartes qui vont te permettre d'aller chercher une carte bien précise. Je pense qu'on va aller jeter un petit coup d'œil sur Internet parce que Internet c'est notre ami. Parce que je ne vais pas clairement pas savoir jouer le deck Driton en une soirée. Mais Internet est l'ami de tout le monde, voyons enfin. Ouais, mais ça te permet de voir comment? Ça te permet d'avoir vite un petit aperçu des decks. Driton archive. Non, mais ta deck. Benten dedans, bah oui, Benten, bien sûr. Ben... Alors, Benten Cyber Angel. Et pour moi, ça devrait être Driton Herald.
jeter un petit coup d'œil sur internet pour vite voir qui se joue et ce qui ne se joue pas. Ça me faire gagner un bon morceau de temps. Cyber Angel Herald. Je tourne un œil à tout ça. Alors, à quoi ça ressemble? Il joue qu'un Eva. C'est que Eva déjà va pouvoir aller se chercher. C'est des machines? Non, on me dit pas que c'est des machines. Oh, c'est des machines. Ah oh ouais, alors tu m'étonnes. Tu m'étonnes que le deck est complètement fumé. Juste parce que c'est la machine. Oui. Excuse-moi, mais quand tu peux aller chercher une carte machine comme ça d'un coup, il y a un problème quand même, tu crois pas? Emergency en avant. Préparation des rites. Alors, préparation des rites, normalement, ça marche que pour les rituels qui sont en dessous du niveau 8. Mais apparemment, le deck, rien qu'avoir cet effet-là, il veut aller chercher en fait Ben 10. Oh non, mais ça c'est. Oh, ça c'est vraiment dommage. En fait, le deck que je suis en train de regarder, là je les analyse. J'ai les maîtres de la vanité, donc ça il faut bien garder, y a pas de problème. Oula, j'ai perdu ma decklist. Oups. Pardon, chef. Ma souris a glissé. Moi aussi, pour l'instant, je te regardais pour voir un nouvel archétype que je peux rejouer. Excusez-moi. Donc, ici, je suis en train un peu de regarder, tu vois, les fameux decks qui peuvent coller à ton deck. Et le problème, c'est qu'à mon avis, le deck Driton en lui-même ne fonctionne pas. Donc, il utilise vraiment, en fait, que l'engine qui a été rajouté pour pouvoir jouer Herald. Sauf que en fait, c'est complètement en compte pas jouer Herald. C'est complètement la carte la plus cheatée que tu pourras avoir dans ton deck. Donc, même si tu joues toi-même, faudra le jouer. Je vais voir si tout le monde fait ça. Là, j'en vois quand même un avec Ben 10, mais il ne joue pas Herald, donc pour moi, c'est déjà pas un deck sérieux. Ils disent que c'était un deck méta, bon. Toc toc toc. Ah, c'est ça, à mon avis, les maîtres de la vanité. Tu vas pouvoir aller chercher tes monstres comme t'en as envie. Et un œil. Ici, ça, c'est avec une version avec les mégalithes. On n'est pas du tout les mégalithes. Suivant. Alors, Cyber Angel, Elral, Benten, avec un Driton. Celui-là, il est déjà un peu plus sérieux, ce deck-là. À mon avis, c'est la version en laquelle on m'avait une fois parlé. Oh là là, lui, il est chaud. Ah, ça c'est pour remettre un peu Ben 10 sur les rails. Ça nous intéresse pas parce que toi t'as envie de jouer Driton. C'est ça, t'as plus envie de jouer Driton que vraiment jouer un autre archétype. Ça t'intéresse pas d'utiliser l'engine Driton pour pouvoir invoquer Herald. Pourrait, hein, ça c'est pas là la question, mais. Oh, ils jouent même pas les. Ah non, mais là, vous trollez, les mecs. Ils jouent même pas mon engine préféré. Ça, c'est les mégalithes. Ok, bon, on va jeter un oeil à ce deck. Ça paraît être le plus judicieux. Tac, alors, je vais jeter un oeil. Il a pas mis le maître de la vanité. Bon, ben on va faire préparation des rites. Hein. Ils ont l'air d'aimer la carte.
Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'il nous faut? Dodritron Nova. On descend, on descend, on descend. Une, deux. Fanir, Fanir, il en faut trois. Astérim, totototum, il m'en manque un. Météonis. Astémite, ça ne se joue pas. Nova, ça va là. Éclipse, 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 éclipse. Éclipse, je n'ai pas d'éclipse. Côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eva, normal, c'est très fort. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Alpha, x2. On a Divineur de Herald, ça pour le moment c'est une carte qui n'existe pas, ça c'est une entrap, on s'en fiche. Zeta. Zeta. Zeta, Beta, Gamma, Zeta. Planté. Ah ok, il a joué x3, ok. C'est... Explique un peu tout. Ça c'est qu'une fois, ça c'est qu'une fois. Et bêta, je ne vois pas bêta. Et maintenant, on va analyser un peu tout ça. Alors, call it by the grave. Attends, c'est pas call it. Si c'est call it by the grave pour annuler les entraps, ça c'est obligatoire. Instant fusion, on va la mettre aussi. On va mettre foolish. Ah, voilà, trier, trier. On va jeter un œil maintenant un peu à ton deck. J'ai pas Nova. Bah, faudra peut-être chercher après. Je sais pas. Hein, je vais juste te donner des conseils là pour le moment. Pop, 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 podom. Alors, déjà, Dritron, le seul deck, enfin, c'est même pas le seul deck, c'est le deck qui a instauré une nouvelle façon d'invoquer par rituel. Et elle coûte 27 euros l'unité, ben oui, mais à un moment donné, c'est aussi un deck assez très cher. Hein. Il me semble que si je regarde, Dritron, ça doit faire partie des decks les plus chers. Dritron, 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 carte market. Le truc. Le truc, c'est que c'est surtout que tu ne devras pas tomber dans le piège d'acheter n'importe quoi comme carte, en fait. Si c'est qu'une seule carte que tu dois acheter une ou deux fois, c'est pas trop grave. Regarde ici, tu vois, c'est que deux fois. La carte, elle est ici que deux fois, mais on va voir ça. Plus en détail. Je vais juste regarder un petit peu quel genre de prix sont les Drittrons. 2 cents. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Même la rituelle ne vaut pas grand-chose. Effectivement, Nova est dans les 27 balles. Et Météonis, elle vaut quand même 6 euros. Bon, après, il y a... Je suis même ceux-là en collector rare, elle valent rien, c'est une trentaine d'euros. Météonis vaut plus cher. Ultra rare. C'est de voir laquelle est la bonne carte que je dois garder. Pas les decks les plus simples, les decks rituels. Hein. Y a que Nova qui cote. Ben voilà, c'est parfait. Je vais analyser le deck, ok? Comme ça, je vais voir un petit peu ce que le deck fait. Oui, quels sont ses avantages et ses inconvénients, d'accord? Tac, on trie, on teste la main, on va voir jusqu'à ce qu'on sorte hein, au moins un ou deux monstres. Et comment on sort un monstre, surtout. Il faut juste que je trouve le fil rouge du deck. Une fois qu'on aura trouvé le fil rouge, on va pouvoir l'embellir.
Tac, tac, tac. Donc déjà avec ça, on va chercher un Betten. Bah oui, voilà. Ça, c'était simple. Activer le terrain. Bah, c'était celui-là. Ajouter une magie ou un piège à la main. Alors déjà, premier truc. Le deck, les decks rituels, ça se joue que magie. Quand je dis que magie, c'est quasiment à 99,9% de cas, ça se joue que magie. Parce que les pièges, ça t'aidera jamais. Franchement, les pièges, ça t'aidera jamais. Tu dois sortir le plus vite possible tes cartes. Ça, c'est la maladie des rituels, c'est la maladie des fusions, c'est des cartes qui prennent trop de place en fait dans le deck et qui prennent trop de place dans la main. Donc, si tu as une main de 5 cartes, tu vas me dire 3 sur 5, bon, ça va, ça passe. Mais le truc, c'est que si tu viens commencer à mettre des pièges dans le bordel, ça va faire briquer le deck. Donc, première chose à faire, jouer que magie. Sauf s'il y a une seule carte qui vaut vraiment le coup en piège. Ça, à ce moment-là, tu pourras les jouer. Par exemple, ici, j'ai une counter-trap. Et ça, les counter-trap, c'est les plus intéressantes. Parce que, justement, il n'y a aucune carte qui va pouvoir être répondue en retour. Sauf une contre-trap. Ça, à part qu'il l'ait sur le terrain, il ne saurait pas t'annuler. Donc, je vais déjà lire la contre-trappe, histoire de voir si elle est vraiment utile ou non. Quand votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, quand vous contrôlez un monstre rituel, vous pouvez négayer l'activation, et si vous le faites, mélangez le monstre dans le deck. C'est très fort. Pourquoi c'est très fort? Parce que la carte n'a pas de contre-coup, c'est juste tant que tu contrôles un rituel, t'annules ce que tu veux. T'annules le monstre. C'est juste les invocations par contre, hein. Donc les magies, les pièges, ça marche pas. Mais par contre, le monstre, il retourne dans le deck. Quoi qu'il arrive. Hey Joey Sensei, salut! Alors, il y a Nova et Météonis. Nova, qu'est-ce qu'elle fait? Special summon when returned from your deck. Destroy it during the end phase. You can only control one return Nova per turn. You cannot special summon monster. Except monster that cannot be normal summon. The turn you activate this card. Donc, vous invoquez spécialement un monstre depuis le deck. Il est détruit à la end phase. Vous pouvez activer que un Driton Nova par tour, donc c'est justifié de la jouer que x2. En fait, dès que tu as une carte, viens, on s'affronte sur Edo Pro. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par contre, je peux te proposer de patienter avec Optagon. Est-ce que tu veux jouer contre quelqu'un, Opta? Pourquoi pas? Ouais. Il y a Mais Joey ici, ouais. Sensei qui veut t'affronter, du coup. Ouais, mais ici, je vais tester la deck, parce que ici, je vais regarder un peu des decks. Pas de souci, pas de souci. Comme ça, moi, je peux continuer un petit peu à analyser le deck et pouvoir aiguiller un petit peu Ankai, ça va? En attendant, je vais te demander, Opta, de te mettre dans un autre salon, si tu veux bien, si histoire que j'ai pas trop de coupures. Et je vais continuer ici. Donc je disais donc une carte que tu peux aller chercher et que tu peux tout simplement activer qu'une seule fois par tour, ça se joue que deux fois. Tout simplement parce que si tu en as deux dans la main, bah ça va briquer. Si tu en as trois, c'est encore pire. Donc deux, pas plus. Ça ne m'explique toujours pas quelle carte je vais prendre, mais je pense qu'on va prendre un Driton Nova. Et un œil de ce qu'on peut aller chercher avec cette carte-là. Ajouter un monstre Light Machine qui ne peut pas être invoqué spécialement. Qui ne peut pas être invoqué normalement. Ou bien Cyberdragon. Et c'est tout. Bah déjà, ça cible l'entièreté de ton deck. Alaka, bonsoir, comment vas-tu? Donc, c'est déjà l'entièreté de ton deck. Et ça me permet même d'aller chercher les rituels. Alors, à mon avis, le deck ne veut pas qu'on aille chercher directement le rituel parce qu'on aura besoin de monstres pour pouvoir l'invoquer.
Ça va et toi? Bah oui, écoute, ça va. Il n'y a pas de problème. Du coup, je peux affronter ton ami. Il n'y a pas de problème. Joe Sensei, si tu arrives à rejoindre le Discord, tu pourras rejoindre Octagon dans un channel. Et après avoir expliqué ce deck, je vais pouvoir vous coacher tous les deux. Voire même jouer avec vous. C'est à voir. Excusez-moi. Une petite toux. Par contre, moi, je suis complètement perdu avec le deck parce que je ne l'ai jamais joué et tout vaut 2000 points d'attaque, si j'ai bien compris. Donc, c'est équivaut à 4 niveaux. Et on a un monstre de niveau 12. Qu'est-ce qu'il fait, ce monstre de niveau 12? You can ritual summon discard with. Ok, ça, c'est normal. Votre adversaire ne peut pas target cette carte avec des effets de monstre. Si cette carte monster use it of this summon are 2 or less, this card can attack all special summon monster your opponent control once each. During your opponent turn, quick effect, you can banish a monster from your graveyard whose combined attack equal exactly 2000 or 4000. Then target one face up. Card your opponent control for every 2000 total, send to the card to the graveyard. Send that card to the graveyard. You can only use this effect. Triton, Meteoris, what in fortune. Donc, déjà, il a un quick effect, ça c'est très bien. Et en plus de ça, cette carte-là pourra attaquer combien de fois? Il peut attaquer tous les monstres invoqués spécialement. Ok. Donc c'est un gros ton. Est-ce que t'es toujours là, Ankai? Histoire que je parle pas dans le vent non plus. Oui, ok, d'accord, pas de problème. Je vais continuer mon explication alors. Ben, à condition que je comprenne un petit peu comment fonctionne le deck. Attends. J'ai l'impression que le gros problème du deck, c'est de au moins invoquer un truc. Donc je le vois très mal aller en premier, et c'est pour ça qu'à mon avis, on joue déjà Herald dans le bordel. Je vais rajouter une carte, on va voir comment ça fonctionne exactement. On va activer déjà cet effet-ci. Et je peux comprendre que Dreton. Rétron Nova est déjà méga importante parce que ça a l'air déjà le must-have dans le deck. Du coaching cool, moi je reprends doucement le jeu là et je check les archétypes, je commence à voir ce que je veux jouer. Après je suis paumé sur Dueling Boot. Dueling Boot, je t'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah merci pour le petit follow à Alaka, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va invoquer? Parce que je n'ai aucune fucking idée. On va invoquer ça. On va voir ce que la carte nous propose. You can reveal one ritual monster, one ritual spell in your hand, and if you do draw one card, you cannot special summon monster. Except monster that cannot be normal summon. The turn you activate this effect, you can only use this effect at return once per turn. Ok, donc ils ont tous un effet qui ne peut pas être invoqué normalement. Ils ont tous un effet Dueling Book. Je sais toujours pas ce que c'est. Je suis désolé pour toi, Alaka. Ils ont tous donc un effet. Du fait de limiter les invocations. You cannot special summon monster except monster that cannot be normal summon or set. Ok, donc on va pouvoir jouer. Comment s'appelle la carte? Lullaby of Obeisance, si je dis pas de bêtises, parce que tu vas pouvoir
dire à ton adversaire, tiens, est-ce que par hasard t'aurais pas une Ash Blossom dans ton deck? Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ton adversaire va te donner la Ash Blossom dans ta main, puisque tu ne peux plus l'invoquer. C'est en fait l'adversaire qui va pouvoir choisir entre invoquer le monstre ou le mettre directement dans ta main. Et je peux te dire que piquer une hache à l'adversaire, c'est un peu pète-cul. Maintenant, bon, il y aurait n'importe quoi d'autre, genre une Red Ice Fusion. À tout hasard, bah, tu lui piques la Red Ice Fusion, tu la mets dans ta main. Bye bye, au revoir. Ah, si tu joues dessus, là, le site pour les duels et des decks, je me suis trompé de nom. Ah! Oui, duel. Pas dueling, c'est encore autre chose. Duel. Ah, je me souviens plus. C'est peut-être bien encore Duelings Book. Oui, c'est peut-être bien encore Duelings Book. Je vais essayer de continuer mon explication ici. Et donc, du coup, le gros problème, ça va être d'avoir un monstre sur le terrain. Et Benten, là, va pouvoir nous être méga utile. Ouais, voilà. C'est bien ce que je disais, elle va nous être utile. Elle va pouvoir aller chercher des monstres bien casse-pieds. Comme Eva, comme Herald et comme Vanity Ruler. Les must-have de ton deck. Voilà, quand tu auras trouvé ces cartes-là, je peux te dire que ton deck, il se portera bien. Rien qu'à cause de ces cartes-là. Donc, je pense qu'on va déjà aller chercher Eva. Même si je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, ça va le poser, ça sert à rien. On va voir ce que c'est. Hop. Ah, ça invoque même du cimetière. Ok, donc ça c'est un mangeur de niveau. C'est un rituel qui revient assez souvent. Oui, désolé de t'interrompre, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tant que je coach, moi, il n'y a pas de problème, je continue de parler. Ce sera seulement tous les vendredis de 21h à minuit, bien sûr. Alors, donc ça, c'est un mangeur de niveau. C'est un rituel qui peut être réutilisé. Ok, d'accord. Je commence un petit peu à voir la forme du deck. Lulabi, on va le mettre en side, Lulabi, tant que j'y pense. C'est une carte qui vaut 2 cents et qui vaut quand même ce qu'elle vaut en termes d'efficacité. Il me semblait qu'il y avait une carte qui te permettait d'aller chercher les magies et les pièges depuis le cimetière. Le Météor Inis de Dreton, on va en mettre 2. Pourquoi 2? Tout simplement, on a normalement besoin que de 1. Mais si l'adversaire, par le plus grand des hasards, arrive à te piquer la carte ou à te la mettre dans tes bannis, t'es un peu emmerdé. Donc tu préfères en jouer au moins 2. Comme ça, au moins, t'es sûr de pouvoir la réutiliser. Mais en termes d'efficacité, une, ça suffirait. Pom-pom-pom-lom-pom. Donc on va virer une fois ces monstres-là et lire un peu les effets des Dretons. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres monstres en fait de chez Driton. Non, il n'y a pas d'autres monstres. Et il n'y a qu'un terrain. Le terrain, qu'est-ce qu'il fait exactement? Quand cette carte est activée, ajoutez un Driton, magie, piège depuis votre deck à votre main. Sauf un Driton de Fanir, de l'activation est. The activation and activate effect of ritual spell card cannot be negate. Ça déjà, ne pas avoir de negate chez l'adversaire, c'est magnifique. Alors, once per turn, if your monster is normal or special, summon face up while you control Gritton, you can reduce that monster level by one per mill. Vous pouvez réduire le niveau de 1 par 1000 points d'attaque. Qui contrôle déjà actuellement. For the rest of this turn, you can only activate one Dreton Fanir per turn. Alors, if a monster special summon for
Once per turn, if a ring, while you control the Tron Monster, you can reduce that monster level by 1 per mill. C'est quand même fort, ça. En gros, la carte, elle te dit que par 1000 points d'attaque, tu réduis de 1 niveau. Mais ça précise pas tes monstres, en fait. Ça peut être aussi les monstres adverses. Donc, je pense que le deck Driton, déjà, il ne dit pas non. Je veux juste vérifier quel Driton j'ai, c'est celui-là. Il n'y en a qu'un qui se jouera, mais bon. Moi, je préfère jouer avec les deux si on me dit que on veut faire un deck Driton. Mais excusez-moi. Pour moi, ça va être un peu compliqué, mais techniquement, il faudrait que tu regardes des monstres à 6000 points d'attaque, tu vois, ou 5000 points d'attaque et qui diminuerait alors les niveaux jusqu'à 1. Parce qu'en fait, Driton va plus vite utiliser ses niveaux. Moins il a de niveaux, plus il a d'effets dévastateurs, en fait. Donc, techniquement, il va falloir chercher des monstres qui peuvent encore réduire leur attaque par rapport au bordel. Mais, sincèrement, je vois pas trop quel monstre. C'est une mécanique assez à part, en fait. Et, This card can be used to materialize. You must also tribute machine monster from your hand or field whose total attack equal or exceeds the attack of the ritual monster. If this card is in your graveyard, you can target one ritual monster you control. It loses 1000 d'attaque. Je pense que c'est que des machines par contre. Ouais, c'est ça, c'est que des machines en fait. Donc la carte ne pourra que faire les magies, ne pourra faire que les machines. Ok, et normalement c'est le seul rituel que tu as. Ça c'est emmerdant. Décret royal peut être très bien joué, non vu que je joue pas de piège. Décret royal. Alors décret royal. Décret royal, c'est le genre de carte en fait que tu vas mettre en side. Parce que techniquement, Driton, ici pour le moment, je ne vois que. Je vois qu'un gros ton en fait. Hein. C'est un monstre à 4000-4000 qui peut taper autant de fois qu'il y a de monstres sur le terrain. Voilà. Ça annonce un peu la couleur, mais. Attends, laisse-moi un peu réfléchir. Non, ça marche pas parce qu'il faut des dragons. Tac, tac. Je vais essayer un truc. Hein, je vais essayer un truc. On va voir si ça fonctionne. Mais dis-toi une chose. L'engine que je vais te montrer là, tu pourras clairement faire ce que tu as envie. Clairement. Donc j'y vais. Mais moi, ce que je vois déjà, c'est que tu pourrais réutiliser totalement les Dretons. Le problème, c'est que ben, c'est les niveaux. Voilà, tu peux avoir le monstre sur le terrain, mais ben, techniquement, tu ne pourras pas, taper autant de fois que tu veux pendant un tour. Mais bon. Comment s'appellent mes trucs? Ça s'appelle les Desk Bots. Donc, il me faut déjà mes Desk Bots. Le 0-3, on va en mettre 3. Le Deathbot numéro 1, on va en mettre 4. Il me faut... Comment il s'appelle? Je vais déjà mettre les Mecha Phantom. Mecha. Mecha. Ah, voilà. Mecha Phantom Beast. Mecha Phantom Beast. Tac, 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 tac. Où es-tu? J'ai perdu le monstre. Je cherche un monstre bien précis. Ah, pas lui. Non. Je crois que c'est lui. Attends une seconde. Oui, c'est bien ça. C'est... On va en mettre deux. Deux parce qu'on aura besoin d'aller le chercher quoi qu'il arrive. Au niveau des attaques, c'est pas terrible. Mais ça, c'est pas l'attaque que je cherche à avoir. On nous faut un Crystron. Bon, Crystal B, ça je ne veux pas. Crystron, merci.
On va aller chercher Criston une fois, ça suffira amplement. Mecha. Mecha. Phantom. Phantom. Il nous faut le lien. Alors, tac, tac. Techniquement, il faut rien de plus. Tac, 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 tac. Si, il nous faut des héraldes. Héraldes. Tac, 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 tac. Il en faut 3. Il y a un monstre synchro aussi qui fait piocher une carte. J'ai oublié. Monstre synchro. Niveau 4. Et c'est Old Chugaya. Et je pense qu'on a tout ce qu'il me faut. Non, il me manque mes Xyz. Monstre Xyz. Monstre Xyz de niveau 4. Il me faut déjà mon Emerald. Merci, Zombie Killer. Ça fait bien plaisir. Degusto Emerald, comment il s'appelle le deuxième, je me souviens plus. Merde. Monstre Xyz de niveau 4. Et c'est une carte qui demande détacher deux matériels. Tac, 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 tac. Détacher deux matériels. Où es-tu? Ah, le voilà. Numéro 60. Numéro 60, Emerald. Qu'est-ce que j'avais encore dans mon autre deck? Nécrose. Nécrose V4. Et la carte gagnante. Donc il nous fallait Granit, il nous fallait Tsuyobi. Granit et Tsuyobi. Tu, Dritron. Granit. Yobi. Non, Tsukuyomi, voilà, on va y arriver. Voilà, on a notre extra deck qui est construit. On va faire une main avec juste ne pas mélanger. Merde. Et sauver, mélanger. Et on va juste mettre cette carte-là en main. Et tu vas voir que juste avec cette carte-là, on va avoir tout ce que tu veux dans ta main. Tu vas voir. Tu vas voir, regarde bien. Tac. C'est parti. Donc, bien sûr, tu pourrais utiliser Dritton Nova, mais tu utilises ça en dernier. Tu vas voir que t'en auras pas besoin tout de suite. On l'invoque. On active son effet. On n'active pas le deuxième effet. On va aller chercher le Dexbot numéro 1. Le Dexbot numéro 1 va aller nous chercher Dritton. Dritton Cristron. Tristron va aller rechercher un deuxième Deathbot. Avec ces deux-là, on fait le mecha Phantom Beast. Il va activer son effet et invoquer 3 jetons. Et bien sûr, tous ces monstres sont des monstres machines. Et le plus beau dans tout ça, regarde bien. On a nos Deathbots qui vont se réinvoquer du cimetière, tout seuls, comme des grands. Et qui auront 4000 points d'attaque. Ah non, 3005, excuse-moi. Je me suis planté. 500 points d'attaque par monstre. Mais techniquement, tu as déjà au moins 3000 points d'attaque en sacrifice pour ton monstre. Mais bon, c'est pas là où je voudrais en venir. C'est à partir d'ici avec Herald. Tac. On active le premier. On invoque le deuxième. Hérald qui peut aussi servir d'annulation. Alors ici, j'ai mis Granit, tout simplement parce que tu vas pouvoir aller chercher un Nibiru. Donc, tu pourrais amplement jouer Nibiru dans ce deck. Parce que tout simplement, tu vas le mettre, tu vas pouvoir faire ton Xyz, aller chercher ton Nibiru et dire à ton adversaire, ah, t'as vu, j'ai Nibiru, hop, dans la main, et tu peux en jouer qu'une seule. Donc, très économe au niveau de la place. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir Bujin Tei Tsukonobi. Il va pouvoir nous permettre de récupérer quelques cartes. Voilà, ici, je vais pouvoir aller chercher une carte magie piège.
Je vais aller chercher la météoronis. Toutes mes magies, je vais les mettre face cachée. Voilà. Et ça, c'est les cartes qui vont partir. Et là, je vais pouvoir récupérer Benten. J'ai récupéré Neva par l'effet de mon Herald. J'active l'effet de ma mecha Phantom Beast. J'active son deuxième effet qui est d'invoquer un mecha depuis le deck. Qui va activer son effet. L'Herald active à son tour son effet pour pouvoir aller chercher un nouveau rituel. Donc là, je vais chercher n'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Voilà. Et là, on va recommencer à invoquer les Deathbots depuis le cimetière. Alors ici, j'arriverai pas à juger pour toi. Hein. Tu peux totalement utiliser les Deathbots tout simplement pour invoquer facilement tes monstres. C'est une possibilité. En plus de ça, ils sont niveau 1, donc il n'y a pas de problème, tu activeras très bien tes effets. Ici, ce qu'on va faire, c'est faire un Herald. D'ailleurs, ce qui aurait été méga intéressant avec Drayton Nova, c'est qu'il y ait au moins un monstre niveau 1 synthoniseur. Mais ici, techniquement, je fais un deuxième Herald. Tac, tac, tac. J'invoque le Elder Entity pour pouvoir récupérer une carte en invoquant une Xyz. Ici, je vais invoquer le zombie. Ah non, c'est un démon, pardon. Le niveau numéro 60, du coup, a permis de piocher grâce à Shtukaya. Excusez-moi. C'est vraiment difficile de parler en même temps. On invoque un monstre depuis le cimetière, on jette l'Hérald. Et là, le plus important, c'est pas d'aller chercher l'Hérald que tu viens de mettre au cimetière, mais bien d'aller chercher un plus antécédent. On le récupère, on active l'effet, on n'active surtout pas l'effet de l'arc Herald qui permet d'annuler les effets. On peut là clairement aller chercher Ultima Ness Herald, l'Herald ultime, hein, très clairement. Et là, on fait une dernière Xyz. C'est un Emerald. Ça, Emerald, il va juste nous permettre de pouvoir recycler un peu le deck. Ah, je vois que j'ai oublié une carte pour Benten. Je la mettrai, pas de problème. Alors, cette carte-là ne peut pas être invoquée spécialement. Ok. Cannot special summon monster except the monster that cannot be normal summon the turn you activate this card. Ok. J'accepte. Bon, là, on va activer l'effet. Sélectionner un monstre invoqué spécialement. Donc, ici, moi, ce que je veux invoquer, c'est surtout l'Hérald. Mais techniquement, tu peux invoquer tout ce que tu as envie à partir de là. Donc là, je vais pouvoir me servir de mon Driton, mon mecha. Et l'invoquer. Comme ça, gratuitement. Voyez ça. Je vais recycler ceci. Ceci et celui-ci. On va aller chercher une dernière carte. À mon avis, j'étais sûrement chercher le mauvais Driton, mais c'est pas grave. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est qui? J'ai Dra, moi, là, pour le moment, et il y a quoi? On va invoquer quoi? Ah, effectivement, ouais, si j'ai pas la bonne carte, ça va pas le faire. Mais techniquement, tu as pu constater que j'ai pu aller chercher toutes les cartes que je voulais. Donc, c'est une engine que tu pourrais envisager de jouer. Et alors, du coup, l'invocation normale, vous la gardez pour Vanity Roller. Je pense qu'il y a mieux que Vanity Roller. Attends une seconde.
Your Opponent Cannot Special Summon Monster, ok. C'est spécial, hein, c'est ça. Your Opponent Cannot Special Summon Monster, oui. Donc, si je cherche un monstre fairy. Lumière, fairy. Fairy, c'est elfe, normalement, oui. Parce que je ne me souviens plus exactement de son nom. Je crois que c'est un monstre niveau 8. Ouais, voilà, Christian. Un peu là, Christian, merci. Alors, Christian, si vous avez au moins 4 fairies, si vous avez exactement 4 fairies dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si ça a été invoqué de cette manière, targetez un fairy de votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Et si cette carte va être envoyée au cimetière, placez-la au-dessus du deck à la place. Oui, c'est très fort. Effectivement, c'est très fort. Mais voilà. Techniquement, l'engine se compose de Christia. Tu as le Mecha Phantom Beast, le Dexbot, le deuxième Dexbot. Et ça, c'est la place que ça prend dans le deck. C'est énorme. Malheureusement, chez toi, tu n'as pas des monstres hauts, donc ça va être un peu plus compliqué à jouer. Il y a éventuellement moyen de jouer un seul monstre haut pour pouvoir retomber sur un comment? Un semblant de début de Deathbot 03. Mais il faut bien te dire qu'une chose, c'est soit tu commences avec Deathbot, soit tu essayes de continuer avec Driton. Seulement ici, ça se trouve, Driton fonctionne très bien. C'est pas là la question. Mais ça te permettra en tout cas de mieux jouer. Instant Fusion, c'est par contre, c'est pour un monstre Millennium. Millennium Restrict. Voilà. Donc l'instant de fusion, ça il faut pas faire attention, c'est juste des anti-entrap, tellement gratuites que ben, les jouera quasiment tout le temps. Je suis bien conscient que pour le moment je t'ai pas vraiment aiguillé pour faire ton deck, mais au moins tu auras pu voir une engine assez forte. Et ça marche avec tous les decks rituels en fait. Donc, il faut juste maintenant que je jette un petit coup d'œil Vanity Roller. Franchement, moi, si je devais choisir entre Vanity Roller et Christia, ce serait clairement Christia. Parce que, techniquement, t'as les mêmes effets. T'as les mêmes effets, ils vont tous les deux se chercher, sauf que Christia, ça s'invoque spé directement. Mais attention, ça s'invoque spé dans mon engine, avec l'arc de Herald. Donc, si tu pars sur Christia, c'est que tu as choisi de jouer avec les Deathbots et les Mecha Phantom Beast. D'ailleurs, je vais les mettre sur le côté parce que je pense que le deck, il y a clairement moyen de le jouer autrement que de cette façon-là. Mais techniquement, c'est sympa comme deck. Alors, il y a juste celui qui voulait parler des deck trap tricks. Je vais juste aller vite lui répondre si ça vous dérange pas. Touk 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 touk. Alors, continuons un petit peu. Je vais juste lire un petit peu les effets. En fait, le gros problème que tu devras faire ici, c'est que pour le moment, on est dans une méta tout simplement de contrôle. C'est pour ça que les gens jouent à crever l'Herald Ultime. L'Herald Ultime, en fait, c'est simplement une carte qui dit n'importe quel effet, je l'annule. Comme ça. Si tu arrives à avoir Herald et Eva,
T'as gagné. Voilà, c'est juste ça. T'as Eva sur le terrain, t'as Vanity Ruler sur le terrain et Lérald, t'as gagné. C'est pour ça que les gens ne jouent même pas les Drytons, en fait. Mais, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais si t'es venu pour me demander un deck et que tu m'as dit j'ai toutes les cartes x3 de Drytron, pardon, je vais y arriver, c'est qu'à mon avis, tu voulais jouer Drytron, en fait. Tu voulais pas jouer autre chose. Enfin, techniquement, tu voulais pas enlever les rituels Drytron pour jouer Lérald. Le gros problème, en fait, quand ils ont sorti le deck, c'est que c'est juste une nouvelle rituelle qui fonctionne pour les machines, si je puis dire. Tu vois, ça marche que pour les machines. Enfin, la seule condition pour pouvoir invoquer un monstre rituel, c'est d'avoir des machines, c'est tout. Je vais quand même jeter un œil ici aux effets des monstres rituels, histoire de t'aiguiller de comment tu pourrais jouer le deck. Parce que là, techniquement, j'ai vu un monstre qui peut taper deux fois et qui peut détruire deux cartes. Détruire des cartes, c'est sympa, mais c'est pas encore terrible aujourd'hui, quoi, tu vois. Taper deux fois, c'est sympa encore une fois dans les faits. Mais ça passera pas en fait dans la méta actuelle. Bah deux fois, ça peut même taper cinq fois. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des monstres qui. C'est un deck qui, techniquement, pour le moment, de ce que j'en ai vu, va partir deuxième, essayer de mettre 8000 points de dégâts dans la figure de ton adversaire, et le terminer d'un coup, t'as gagné. Je vais lire un peu les effets. Alors, your opponent cannot target this card with a spell trap card or effect. Donc déjà, ça c'est un bon point. C'est vraiment quelque chose que la carte aura besoin. Les magies, les pièges. Pour réfléchir. Les magies, les cartes ou les effets. Les effets. Donc oui, ça devrait fonctionner avec les effets de monstre. Donc la carte déjà elle est inciblable, ça c'est une bonne chose. You can only use the effect of Drytron Winter in this once per turn. If the total level of monster you use this card is either 2 or less, you can destroy all spells and traps your opponent control if this card summon. Summoned card is destroyed. You can special summon one Drytron monster from your graveyard, except Drytron Meteor and Iskantis, whose combined attack equally exact 14. 4000. D'accord, ok, donc il a un revive, celui-là, et celui-là, il pète les cartes de l'adversaire. Déjà, ça m'étonne que je vois pas un 1 for 1 dans le bordel. Ça fonctionne au moins, un 1 for 1. Techniquement, ça devrait fonctionner. Ça fonctionne. Jette un monstre. Ah non, d'accord. C'est tous des level 1 quand même. Je me suis planté ou je. Non, c'est tous des level 1. Bizarre. C'est fort bizarre quand même ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Pom 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 pom. Que des niveaux 1 et pourquoi est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a un effet qui dit qu'on ne peut pas les invoquer spécial?
Ah ouais, d'accord. Ils doivent être invoqués par un effet de Driton. Par un effet d'une carte Driton. Donc, waouh, ça c'est chaud par contre. Ah ouais. Doivent être invoqués par l'effet d'une carte Driton. Pour le moment. Ouais, ça va être très compliqué par contre. Donc, on va déjà mettre un Terra. Clairement, là, le deck en a besoin. Il faut son Terra. Il faut. Comment il s'appelle? Une carte limitée. Magie rapide. Et qui parle de Terra. Ça s'appelle Set Rotation. Du coup, il va falloir jouer un deuxième terrain dans le deck. Au moins en x1. Parce que le gros problème, en fait, c'est que Nova ne peut être jouée qu'une seule fois par tour. Et c'est complètement abusé, les gars. Hein. C'est complètement abusé. C'est même pas trop de la jouer x2, en fait. Hein. Clairement. C'est même pas trop de la jouer x3 ici, hein, clairement. Benten, ça c'est pour aller chercher Vanity. C'est Ultimate. Herald, ça va être obligatoire. Edritron, techniquement, bon. Je dirais qu'une fois 1, ça suffit amplement. En fait, le seul Dritron qui va t'aider, et qui se jouera en tout cas tout le temps, c'est quoi? Q-U-A. Tout simplement parce que c'est la seule carte qui va pouvoir te réinvoquer tes Drytron. Et ajouter une Light Machine. Light Machine, ça c'est un Fairy. Light Machine. Truc, c'est que je vois pas du tout le problème. En fait, le gros problème, c'est que déjà, One for One, ça fonctionnera pas. Un peu là, One for One, parce que peut-être que je me suis planté, mais non, One for One, ça fonctionnera pas. Je vais une fois checker tous les effets, mais. Must be special summon with the effect of Drytron card. You can tribute one other Drytron monster or return one from your hand or field. Special summon this card from your hand or graveyard in defense position. Donc, c'est notre deuxième porte de sortie, cette carte-ci. Il y en a d'autres. Ok, d'accord, je vois déjà la chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sacrifier une carte rituelle ou une carte monstre depuis votre main, ça c'est quand même fort, fort, fort abusé. C'est fort, fort abusé parce que you can tribute one other mana from your hand. Mélanger le lac. Nova, c'est la seule carte qui va vraiment pouvoir t'aider. J'ai l'impression que c'est un cercle en fait. Je veux envoyer au cimetière cette carte-ci.
Donc ça, cette carte-ci, je pense que c'est la meilleure target parce qu'elle va pouvoir te réinvoquer un monstre depuis le cimetière. Cette carte-ci, donc du coup, on sacrifie le monstre sur le terrain. On ajoute un rituel. On va chercher Uben Ten. Pas de bêtises. Benten a du mal à se faire sacrifier en fait. Hein. Ah non, il faut Benten. Effectivement, il faut Benten. C'est vrai que ça va être un peu plus facile si tu sacrifies Benten. Donc ici, on sacrifie cette carte-ci. Voir récupérer l'autre carte qu'on vient d'envoyer au cimetière. On active ceci. La carte à invoquer, c'est celle-ci. On sacrifie les deux monstres. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ceci? Ça réduit son attaque. Ok. Pouvoir invoquer plusieurs monstres. Voilà. Donc, la meilleure target pour le moment, c'est celle-ci. À Nova pour pouvoir la sacrifier et pouvoir la réinvoquer et récupérer 4000 points d'attaque et pouvoir sortir Ted Riton. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là avec les Dritons parce que ça fait quand même 2 heures ici que j'en parle et je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent faire quelques petits duels. Je vais aller les move. Ah, ils sont déjà partis en plus. Ouf. Ouais, Brian? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Il est parti ou tu as fait un duel? il est même pas venu tout court en Ah, fait. il est pas venu du tout! Ok, d'accord. Donc moi j'étais en train de tester le deck ici, j'ai construit un petit peu là parce que Ah, il n'y a ici j'ai trouvé un pas. vieux truc. Ouais, il n'y a pas de problème. Joey, tu t'es plus là? Ah ouais, d'accord. Ben, je pense que l'info est très mal passée, du coup. Voilà, le sauver comme ça déjà une fois Dritron. Mais techniquement, tant que je n'aurais pas vu d'autres decks Dritron jouer autrement que de jouer que son Herald Ultime, je peux pas mieux te conseiller de jouer le deck en fait. Ankai. J'espère que t'es encore là d'ailleurs, Ankai. Histoire que j'ai pas parlé dans le vent pendant tout le long. Hello. ben voilà, écoute, on va faire un petit duel entre nous deux, du coup, Brian. Brian? Ouais, je suis là, t'inquiète. Ah, Brian. Brian, Brian, Brian. Je crée la room alors. Ouais, ici, j'étais juste mon deck ici, parce qu'ici, je l'ai pas très bien compris. Adritron. Malheureusement. Joue quel C'est deck? vraiment une carte de merde, ça, franchement. Genre. De quoi? La Crystal Wing Sacro Dragon, là, putain, c'est débile. T'as encore rien Cette vu. carte de merde, mais non, franchement, allez, quoi. Mais ici, j'ai pas encore tout capté de mon. J'ai pas encore capté tout le potentiel du deck que je joue, mais bon. Ah viens, je joue un deck fun de toute façon. Non, non. Non, non, C'est bien, on a au moins deux nouveaux follow sur la chaîne, c'est pas plus mal.
Si quelqu'un a d'autres questions, moi je suis prêt à répondre. Oh mon dieu, il a deux follow. Waouh! C'est Waouh! énorme, putain, t'imagines pas? T'as Laka alors qui est resté peut-être pour regarder. Bon, oh, ça va. Hop, moi de toute façon j'ai clairement un deck très gentil. Hey, yep! Ah, en tout cas c'est sympa de rester à Laka. Franchement c'est sympa. Petit follow, le petit restage, c'est parfait. Restage, oh là là, j'ai même pas parlé. On joue un petit deck fun. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les Dream Mirror. Ah, ok, d'accord. Les J'ai pas encore Dream capté tout pour Mirror. ça. Pas encore capté tout pour ta salle du deck. Non, t'inquiète, moi j'ai pas encore compris tout court le deck que je joue non plus, tu sais. Bah moi, pas que j'ai pas capté le deck, c'est que je comprends pas tous les effets de toutes mes cartes, donc évidemment, bah. Enfin, si je comprends Alors. quelques-uns, mais pas tous, mais bon. Pour les grandes lignes, quoi. Clairement J'ai pas les petits, là. tu sais, je comprends pas vraiment les petits paragraphes, tu sais, genre, et ça se met, il y a un effet que j'ai complètement zappé, tu sais. Va tester Troisième cette carte. carte. Future Vision. Magnifique. Ah putain, territoire. Jusqu'à la fin du tour, le Kuribo. Non, ah oui, c'est jusqu'à la fin du tour. Ouais, du, faut pas exagérer non plus, Okay. l'abus, de l'abus. En fait, il me faut mon terrain. Le deck Dream Mirror. Je compte trop sur terrain. Terrain. Hey, mon pote, tu vas choisir une carte pour moi, d'accord? De Ça te quoi? rappeler des choses. Moi, je me tâte de partir sur un deck tri-brigade pour le coup. Alors, tri-brigade, pour le moment, moi, j'en ai vu juste une engine, en fait, de tri-brigade. Je peux jeter un œil à exactement ce que c'est un tri-brigade. Donc, je vais ouvrir. Tac, tac. Je vais le mettre sur le côté, donc je ne verrai pas forcément tout de suite les réponses au chat. Hop, alors, Tri-Brigade, il faut que j'aille jeter un oeil. Mais déjà, Tri-Brigade, je pense que c'est un très bon deck. Hein. Rien que le fait que tu peux envoyer les cartes au cimetière, comme ça, juste en défaussant, pac, hop, je jette un autre truc en avant. Ah, c'est à moi de jouer, excuse-moi, je vais d'abord jouer. Tac. Regarde, en écrou, tremble de peur, être de chair. Wow. Je mets terrain et une autre chose. Le saut de Rickel qui est bonjour. Oh putain, pardon. Oui. T'as moitié mon Allez, amuse-toi bien. nom. Après, je me tâte avec quoi je vais le play, mais à mon avis, ce sera sur du Zodiac pour le moment. Est-ce que Zodiac joue avec justement le cimetière? À ce moment-là, tu peux te dire oui, pourquoi pas. C'est vrai que tu fais un rêve, toi. Ça a commencé avec un beau rêve, puis ça a terminé avec un mauvais rêve. Non mais j'ai de la piocher quoi, mais C'est un deck de fusion, la non? piocher maintenant alors que je l'ai en x3 les deux terrains, mais bon c'est pas grave. Putain. Tri-brigade.
Je vais devoir mettre Metaverse dans le deck, c'est pas possible. Ça aide beaucoup les liens, les tri-brigades, même sincèrement, j'ai pas encore vu le deck. Pas encore vu le deck en action, c'est plus au niveau du gameplay que je pourrais conseiller les gens, ou bien alors en voyant une base de deck, tu vois. Si on m'envoie une decklist, à ce moment-là, je vois la decklist, je vois comment ça fonctionne. Je vais peut-être pouvoir à ce moment-là se dire, bon, ça doit se jouer comme ça ou comme ça. Vas-y, fais-moi rêver, Brian. Fais-moi rêver. Mais oui, Tri-Brigade, très clairement, ça reste une engine. J'ai une tête comme ça d'avoir réfléchi pour Dréton. Il n'est pas si compliqué que ça, mais. Le gros problème, c'est d'avoir quelque chose sur le terrain, franchement. Par contre, poker les nightmares dans les liens, je comprends pas trop leur effet à chacun en fait. Je ne les joue même pas, pour te dire. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, ça va pas vraiment une question, effectivement, mais c'est pas grave. Ben, en fait, moi je dirais que Tri-Brigade, en fait, le problème, je peux te dire que j'ai fait un Merce Fourreur. Et le truc. Comment est-ce que je vais t'expliquer ça? C'est un engine, en fait. C'est plus pour aider les decks bêtes guerriers. Si t'as un deck bête guerrier, tu peux te dire, bon, est-ce que je suis avantagé avec les effets que les tri-brigades me donnent? Par exemple, attends, qu'est-ce que je faisais déjà avec mon tri-brigade? C'était envoyé au cimetière. Faudrait que je recheck ma decklist. Pure ailleurs. C'est une ancienne decklist. Ouais, je les ai même virés pour te dire, donc. Tac, 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 tac. Cette version-là, est-ce que j'ai pas les Fur Hire dedans? Non, je les ai virés pour te dire à quel point elles ne me servaient pas à grand-chose. Mais en fait, ça donnait accès à un lien, un monstre lien. Et à partir de ce monstre lien, en fait, je voulais pouvoir le réutiliser pour invoquer un monstre lien qui demandait trois monstres à tout casser. Donc, il faut que tu regardes surtout après le cimetière et le monstre lien si ils vont te servir à quelque chose. Au moins avec les tri-brigades, sincèrement. Non, peut-être qu'ils ont des effets intéressants, hein, ça c'est pas. Ça pourrait être ça aussi la chose. Hein. Activer cet effet-là. Mirror. Normalement, t'es pas censé spammer la fusion. Histoire. Ah là, j'ai pioché totalement de la merde. Hop, 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 hop. Après, c'est ça la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'aller checker 2-3 decklists et puis te dire, bon, je vais les jouer comme ça. Mais ouais, techniquement, Tri-Brigade, il me semble qu'il y a quand même moyen. Ouais, il doit avoir quand même moyen de jouer avec ces liens. Bon. Mais Elfie, ça reste aussi une engine. Très clairement, si t'as des bêtes dans ton deck, tu peux jouer Melfi, mais. Et il m'a dégagé ma carte, tout va bien. Et moi, t'as bien beaucoup de terrain, hein, mon pote. M'endors avec ton deck. Et qui te dit que c'est pas le but?
Après Zodiac, j'ai envie de te dire que c'est pas vraiment intéressant comme gameplay. Hein. Sans vouloir te vexer, ce que j'ai pu en voir du deck, c'est que tu vas simplement invoquer. Tu vas juste utiliser tes effets pour dégager l'adversaire, pour venir avoir des negates, pour pouvoir taper fort. Voilà, moi je trouve que c'est pas vraiment un gameplay intéressant, mais bon. Ça reste des Xyz. Marque 3 monstres à effet, il veut... Après, je découvre les associations avec Tri-Brigade pour le moment. Ouais, tu peux très bien, mais encore une fois, bah, c'est une sorte d'association. Maintenant, les cartes, elles sont classes. Ça, il n'y a rien à faire. Tac. Tac. Ouais, j'avais rien, mon pote. Hein. GG. Je termine pas de suite. Hein. Même si je tire un truc, je pense que tu me déglingues. Clairement pas un deck méta de mon côté. Et je viens de comprendre que je dois tout le temps switcher les deux mondes en fonction du nombre de monstres que j'ai différents sur le terrain. Tout le temps switcher. Je sais pas si Tri-Brigade c'est cher, je pense pas assez. C'est un deck corrompu que tu play là, non? Oui, ce deck corrompu et y a rien qui sort, donc voilà, super. C'est bien marré. Brian. Non, mon deck a un moyen qu'il soit amélioré par Metaverse et Oh, mais t'inquiète, le mien aussi, là c'est que des entrailles pour le moment. c'est que Thatcher. Ouais, mais c'est aussi un vieux deck, hein, y a rien à faire. Y a pas de negate, c'est un deck de gros dératé. Ça m'énerve quand je me mets bien dans mon fauteuil, du coup je suis plus bas. Et du coup quand je suis plus haut, ben voilà. C'est limite le cadre est trop petit. Et comment t'as découvert la chaîne du coup, Alaka? Ah, chakalakalakalakalaka! Attends, me dis pas c'est quand j'active un effet. Oh non, putain, je me suis coupé du Oh. tout seul. Oh Ah, non, putain. Brian! Non, tu l'as fait! Ah, gueule! Non mais j'avais pas compris son effet en fait à lui, chier. Voilà, je me Ah suis mais c'est vrai que... auto-baisé. Cette carte-là, je vais la virer, elle me sert à rien du tout. C'est incroyable. Je me serais plus démerdé sans cette carte qu'avec. C'est incroyable. C'est ça, je suis baisé. Youhou! J'adore ma vie. Oh, tu sais, de mon côté, j'ai pas mis non plus. Hein. Allez, on va faire un zombie world. Il y avait un archétype aussi que je voulais faire, c'était Arc Démon aussi. Allez. Arc Démon, c'est Batterie Brigade, ça va, budget, mais t'as des cartes qui ruinent tout comme Trip Tactic Talent, Zeus, Access Code et tout. Après, ça remplace. Ça se remplace, mais bon. Ben. Trip Tactic Talent, franchement, Trip Tactic Talent, il y a moyen de jouer clairement autre chose. Hein. Pas besoin de mettre 60 euros dans une carte. Voilà.
Si tu dois mettre 60 euros dans une carte, c'est qu'il te la faut absolument et qu'il fait partie de ton archétype. Mais techniquement, il y a moyen de faire autrement qu'avec cette carte-là. Il va mourir, ok. Ah, le chat dans la gorge, on adore. Meurs. C'est ça, Brian, hein, je t'ai entendu. Meurs. Meurs. Il va mourir. Meurs. Salopard. Salut. Oui, on est bien d'accord, je suis pas dans l'objectif d'être top au world. Et franchement, moi je vais te dire Trip Tactic Talent. Voilà. Moi je trouve pas que c'est des cartes qui vont forcément te faire gagner, même en grand tournoi world. Hein. C'est pas parce que t'as un deck qui joue 50 000 fois Ash Blossom qui va gagner. Hein. Ah oui, c'est sûr. Allô? Oh, oh. Par contre, j'aurais dû peut-être jeter l'autre et pas le Dark Diablos. Chier. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans mon deck pour au point qu'il tourne pas en deux tours quand même? Ça, c'est un peu exagéré. Surtout que généralement, c'est même pas le fait d'en avoir en trip, mais juste pour piocher plus souvent, pour la piocher plus souvent. Paf. À partir du moment où t'as une carte qui peut s'activer qu'une seule fois par tour, tu la joues que deux fois. C'est comme ça. Si vraiment t'as envie de jouer triple tactique Talen, c'est la chose à faire. Mais là, alors, je ne comprends pas. Ah ouais, d'accord, c'est parce qu'il y a quand même des lights dans le bordel, ouais. Techniquement, j'ai que 18 monstres sur 42 cartes. Ou encore que j'arrive à Ouais. décider lesquelles cartes vont rester, lesquelles vont pas rester. Oh là là, tu sais quoi? Allez, c'est bon. Vas-y. Laisse-moi faire mon récap d'abord. Oh! Ça m'a servi à quelque chose, incroyable. Regarde-moi ça, Brian. Je peux enfin invoquer un truc. Il a pas fait long. Ah, c'est gênant là. Comment dire que Ah, le mec, putain, mais je te jure que le deck, je l'ai peut-être joué trois fois à tout casser. Donc, j'oublie les petites subtilités du style. Ce que c'est le seul monstre qui peut pas être invoqué sans. Le monde météore corrompu, mais bon, c'est pas grave. moi de mon côté j'ai il y a quelques cartes qu'il faut que je comprenne leur effet, sinon le principe de l'archétype, je l'ai compris, tu vois. Sinon, il y a certaines cartes, ils ont des petites subtilités derrière, toi, mais que je connais pas forcément. En fait, ce qui fait chier dans mon deck, c'est que genre, faut que mon adversaire joue synchro. C'est ça, c'est terrible, quoi. Littéralement, ça me sert à rien de faire une synchro, quoi, tu vois. C'est accro en ce moment? Une synchro, quoi, mais s'il te plaît. Ouais, vous devez jouer une synchro. Waouh, super! Tu dois jouer des synchros! Moi ici j'aurais eu ma une enfin j'aurais juste eu ma carte terra, gros, ça serait parti vite fait, hein. Genre, mais bon. Oh, merde, je voulais pas activer la carte. Et merde. Ok, je le joue aussi de mon côté. Oh, je joue vraiment comme une merde là, pour le coup, franchement. C'est vraiment pas un live intéressant. Oh, loulou. Et là, c'est le drame. Et puis le drame à ce moment-là. Stardust. Stardust Dragon. Oh my fucking god! Ah! Ah. Putain de merde!
Ok, cette carte sert à rien, c'est super. Ah, ça n'est pas de peau. Ah, mais je fais que erreur sur erreur, quoi. C'est horrible, c'est honteux, c'est honteux. Tiens, Le mais je peux gros le prendre deck en trois, mais bourrin. c'est pas la carte qui m'arrange le plus là maintenant. Oh putain de merde. On voit qu'il est 23h30 et que voilà. J'ai de la fatigue. Mais gros, mais j'ai rien qui m'arrange. Après, techniquement, les cartes que tu m'as citées, attends, que je dise pas de bêtises, triple tactique Talen, c'est une carte anti-entrap en fait. On la joue juste parce que ben on sait pas jouer nos autres anti-entrap. Cette carte qui te permet d'aller chercher. Vas-y, va chercher le monstre dans le paquet. Allez, tu joues avec le paquet, à vous. Non, mais genre, gros, genre, mon deck tourne tellement autour de son terrain, bordel. T'as mis Terra. Mais non, je l'ai pas encore mis, Terraformation et trucs. Hein. Je pensais que ça serait bon en mettant les Terra trois fois. Je sais pas à quoi sert l'effet, donc. Visiblement, t'as infligé la moitié de mes dégâts et tu me diminues mon attaque par deux. Bah oui, vas-y, toujours plus! Je joue avec le paquet, à vous! T'as tout le paquet! Regarde, je vais te mettre la haine, regarde bien. Sans te toucher, regarde. Quelle bataille. Ça me fait foutre. Je me demande si je peux te taper encore un. Hein. Peu. Ah ouais, d'accord, ça fait pas ce que je voulais. Je pensais que j'allais te tirer encore une fois. Dans... Non, mais pourquoi je piochais une carte aussi, putain. Mais non, mais c'est bon. C'est la pire des cartes qu'il me fallait en main. Oh, c'est la pire des cartes. Oh, c'est horrible. Mais techniquement, dans les cartes qui te servent à d'anti-entrap, il y a. Qu'est-ce que t'as déjà? T'as colis. Ah non. Que je dise pas de bêtises. La prohibition, qui clairement ne vaut 0€ et que tu choisis la carte qui t'a pas envie de te taper et c'est bon. Tu as une mermaid. C'est pas Diva, c'est une autre mermaid. Attends une seconde. Mermaid. Je sais plus, c'est pas ça. C'est Deep Sea Océan normalement, la carte. Et c'est une. C'est Deep Sea Minestrel. Minestrel, en fait, ça se joue dans les decks hauts. Tu la discardes avec un monstre haut, tu regardes la main de l'adversaire et tu choisis une carte, tu la bannis jusqu'à la fin du tour. Comme ça, tu es sûr de ce que ton deck, ton adversaire a dans la main. S'il y a encore des cartes à se faire annuler, tu essayes de les claquer avant. Comme ça, après, t'es safe et tu termines. Termine comme ça, tu peux simplement contrer les entraps d'une autre façon en fait. Tu peux aussi utiliser la carte échange et la carte. Je me souviens plus. C'est pas Call It By The Grave, c'est pas. Ah, c'est une carte magie qui fait piocher. Allez là. Effet pioche. C'est Dragit, oui, c'est ça, ça devrait être Dragit. Dragit down into the grave. En gros, tu vas regarder la main de ton adversaire va voir ta main aussi, ça c'est emmerdant. Mais techniquement, tu vas voir sa main, t'enlèves la carte qui te fait chier chez lui, il enlève une carte chez toi, et vous jouez, c'est pas un problème. Toutes des cartes qui te permettent de jouer contre les entraps. Après, il y a l'instant de fusion et le millennium, c'est une des meilleures. Zeus, je sais que Zeus, on en parle beaucoup, je n'ai même pas encore regardé exactement à quoi ça en correspond. Once per turn, if an Xyz monster battle this turn, you can add Xyz summon divine arsenal à Zeus.
Ok, donc en gros, tu peux taper avec un monstre X6 et donc tu l'invoques. En utilisant un monstre X6 que vous contrôlez, transférez ses matériels. Quick effect, you can detach one two material from Tiscal, send all other cards from the field to the graveyard. Once per turn, if another card you control is destroyed by battle, an opponent card effect, you can attach one card from your hand. C'est une carte assez pétée. Maintenant, j'ai envie de dire un kaiju et on n'en parle plus. Mais oui, Zeus est fort. Maintenant, je voudrais bien savoir à combien cote la carte Zeus. Je vais voir une fois combien vaut la carte Zeus, carte market. Clairement, la carte vaut le coup hein, ici. Zeus. Zeus, Zeus, Zeus. Ah ouais, si c'est celle que je vois là, en Starlight rare, à plus de 300 €, mais je pense qu'il doit exister d'autres, non? Ouais, bon ça. 45 balles, ouais, quand même, quoi. Bon sur Starlight là, ah, aussi non. Vaut 50 balles, quoi, la carte. Maintenant, franchement. Ouais, c'est une carte que t'as pas forcément besoin, quoi. Déjà, il faut jouer X-Ease. Bon, tu vas me dire, les trois quarts des decks jouent X-Ease. Et la deuxième des choses, c'est que. Attends, je vérifie juste une chose. Est-ce que ça me fonctionne pendant la battle, en fait? Once per turn, if an X-Ease monster so battle this turn, you can also X-Ease summon. Bah, le truc, c'est que ça nettoie tout le terrain adverse, en fait. Maintenant, ouais, bon, 40 balles, il y a moyen de l'avoir aussi, mais. Bon, on va dire que Zeus, si tu joues n'importe quel deck X6, tu peux la sortir, quoi. Mais. C'est un gros ton qui va te permettre de foutre 3000. Bah, c'est un monstre à 3000 déjà, tout simplement. Ça, c'est déjà un bon finisher. Mais. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Ce qu'il y a, c'est que l'adversaire peut nettoyer ça n'importe comment. Et en général, si moi je sais que l'adversaire va me jouer des crasses pareilles, ben je jouerai un Kaiju. Voilà. Il me fera pas chier longtemps, quoi. Je vais te dire, ah, tu veux me faire chier? Tiens, prends mon Kaiju, on n'en parle plus. Mais ouais, elle est violente, quoi, un peu la carte. Je sais pas quoi en penser de Zeus. Laisse-moi réfléchir. C'est pour ça que le check plein de listes pour adapter à ma sauce. Ouais, mais maintenant ça reste une bonne carte, quoi. Par exemple, si tu l'as dans un booster, je te dirais clairement garde-la. Garde-la parce que tu en auras un jour besoin si elle n'est pas bannie, mais. Ouais, bon, peut-être. Peut-être garde-la pas si tu ne sais pas la jouer. Si genre tu joues un deck qui joue que synchro et qui ne joue aucune des X-Ys, bon, pire là, ça te fera un peu de place dans le deck. Quelle carte tu m'avais encore dit, Zeus? Access code, access code, access code. Le talker? Access code talker. L'access code talker. Pff. Sincèrement, je la trouve naze, mais maintenant, je joue jamais les cartes liens. Enfin, du moins, j'essaye de pas les jouer le moins possible. Parce que je trouve que c'est complètement stupide la façon de les invoquer. Ça demande pas grand-chose. Ça ne limite pas l'attaque, ça te limite pas les effets. Ça te limite pas les effets. Ça te limite pas les niveaux, ça te limite rien en fait. Tu vois, quand tu parles
De monstre fusion, c'est plus un nom, donc ça c'est très limitatif. Quand tu pars sur un monstre Xyz, tu dois avoir deux monstres de même niveau. Quand tu pars sur un monstre synchro, il te faut une certaine addition de niveau. Et est-ce qu'il y avait encore, il y avait les, j'ai dit niveau, les rituels. Je trouve que toutes les autres manières d'invoquer sont beaucoup plus compliquées que les liens, en fait. Le seul truc qui, allez, on va dire, qui dérange un peu les liens, c'est le fait qu'ils doivent être linkés les uns aux autres. À part ça, il n'y a pas vraiment de problème. Bon, après, le deck maléfique, il va falloir que je le révise encore un peu. Toujours là, Brian ? Mm-hmm. Ouais. Ouais, je suis toujours là, je suis en train de regarder un autre archétype que je vais peut-être tester aussi. Le mettre en side les terrains, sincèrement, là je n'ai aucune idée lesquels terrains seraient les plus aptes à rentrer dans le deck. Il y a encore des decks comme le gardien de la porte, celui-là il est très compliqué parce qu'il a jamais reçu vraiment de support, ce serait peut-être le moment de Konami de nous en donner. Et la pyramide de la lumière aussi. Mais peut-être que celui-là, c'est encore le plus accessible. Access code, oui, c'est vrai que j'ai même pas regardé access code. Déjà, il a que 2300 points d'attaque. Pour demander quand même 4 monstres en tant que lien. Alors, votre adversaire ne peut pas invoquer, ne peut pas activer d'effet de carte. Ou activer de cartes en réponse à cette carte et ses effets d'activation. Donc ça déjà, c'est overbroken. Si cette carte est invoquée par lien, you can target one link monster that was used it as material for one link monster link summon. This card gain attack equal to the monster link rattening. 1000, you can banish one link monster from your field. Or graveyard, destroy one card you open control as source for the rest of this turn. You cannot banish monster with that same attribute to activate this effect of access code. Ouais, donc déjà il faut jouer plusieurs attributs pour pouvoir utiliser plusieurs fois l'effet. Un bon finisher, franchement, là il y a mieux. Là il y a clairement mieux. Hein. Là, le talker, même s'il va se rajouter un peu de points d'attaque, je trouve qu'il y a vachement mieux. Quitte à jouer un monstre lien qui est pet cul. Non, ça c'est pendule, connard. Ce serait plus vite de jouer Underworld ou Borel Sword. Ce sont tous les deux des bonnes cartes. Maintenant, le dragon à 5 têtes, en termes de points d'attaque, il me semble qu'elle est pas mal. Il y a mieux pour moins cher, en plus. Ben oui, je pense bien aussi. J'ai pas vraiment de monstre en tête, parce que comme je te dis, je joue pas souvent les liens. Et Borel Sword, comme je te dis, ça offre tellement des games. On va jeter un petit coup d'œil ici. Terra, ça on en a besoin. On a besoin du World. Mais j'ai oublié un maléfique ou quoi? C'est pas possible.
Non, ça c'est emmerdant déjà. Rien que deux monstres maléfiques ont des conditions d'invocation ultra pétées. Quant au reste, bah il n'y a pas grand-chose comme monstre en fait, c'est ça le truc. Je suis même tenté de jouer x3 en fait. Tellement il s'est en chier. Ouais, je suis obligé d'en jouer x3 quasiment les monstres. Pas vraiment besoin de forcer l'attaque à l'adversaire. Mound of the Bound est vraiment meilleur à ce niveau-là. Le cycle d'oricalque, à la base, je voulais aller l'utiliser pour le maléfique Trust. On va dire que bien utilisé, il y a moyen de faire des ravages. Avec 5 micro relou à invoquer. On a 5000 relous à invoquer. Ah Que non, je vais ça. créer un serveur, mais je vais faire un truc à part. Ah, t'as créé un serveur? Bah, tu pouvais me le dire aussi. Ouais, non, il n'y a que celle-là, mais bon, relou. 5 monstres, point barre, on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai que si tu joues lien, tu n'as pas forcément 5 monstres. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bon là très clairement j'ai deux terrains qui pourraient encore rentrer dans le deck mais je ne sais pas du tout si ils seront utiles. Bon bah je vais te rejoindre ton serveur hein, avec mon deck ultra voilà, on aura tout compris. Non, franchement, il pue la merde là. Pour le moment, le deck est claqué au sol. En même temps, il n'y a plus de support depuis que je ne sais combien de temps. Quoique, il en a eu dernièrement. Mais j'arrive pas à utiliser son support. Ouais, j'arrive clairement pas à utiliser le support du deck. Et là, claque, pas claqué au sol. Oh punaise, si tu joues ce que je pense. Ben, sache que. Et tu live souvent, sinon ben, je live le lundi, le mercredi, si je dis pas de bêtises, et le vendredi soir. Le lundi, le mercredi, c'est de midi à 16h. Le lundi, c'est du let's play, et là pour le moment, on se refait tous les Ratchet et Clank. Le mardi, on fait de la ranked sur League of Legends. Et le vendredi, ben, je coach. Ah, cool ça. Sinon, au niveau du reste, ben, j'ai deux chaînes YouTube. La première, c'est pour les rediffusions pour le moment. Et la deuxième, qui est secondaire, c'est là où je parle des mécaniques de Yu-Gi-Oh! Des principes, des conseils pour pouvoir construire des decks. Maintenant, je fais que reprendre petit à petit YouTube et bon, ça se ressent un petit peu. Par exemple, ici, je viens de faire une vidéo, j'ai essayé de faire avec un texte pour essayer de ne rien oublier de tout ce que je voulais parler. Mais je ne sais pas si je vais faire de cette façon-là les prochaines vidéos. Non, c'était des grosses vidéos, je sais pas encore si je vais essayer de trouver
d'autres vidéos à faire pour le moment. Un peu plus cosy, je ne sais pas. Je sais pas exactement pour le moment. Un Dream Mirror. Oh, il va être chiant ton deck, j'ai l'impression. Bon, il va me le sacri, il va se sacrifier, je le sens direct. Ok, bah je repasserai alors. Là, je dois go. Bonne soirée et bonne game. Merci des conseils. Pas de problème, Alaka. Pas de problème, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Les lives seront en replay sur YouTube si tu en as manqué un ou quoi que ce soit. Et sur ce, merci et à bientôt. De toute façon, on va aussi terminer. On arrive vers les minuit. À bientôt la fin du live. Oh, tu m'as donné un terrain, que t'es gentil. Non mais c'est l'intérêt qui va te casser les pieds si jamais tu le bouges pas. Un peu comme ça? Jamais. Qu'est-ce que je peux faire face à ton deck? Ah, si tu veux passer au-dessus de mes monstres, t'es obligé de péter la terrain, mais bon, passera J'ai pas pas au-dessus de mes monstres. forcément ce genre de carte, tu sais, dans mon deck. Mais tu ne passeras pas au-dessus de ma fusion, ça c'est clair. Par contre, t'aurais pu attaquer ma carte à 1500, par contre, t'as pas de con. Non, c'est pas fou. Non. Mais non, quel sac à merde. T'as mis les effets de tous les monstres sur le terrain avec ça? Ouais. Ah, mais Tout. tu l'as negate à chaque fois à 1000 points de Je vie. te négaye tout, Brian. Tu n'auras plus rien. C'est fini, Brian. Oneiros va peut-être défoncer la gueule, toi, dehors. Hein. Non. Je dois juste confirmer. Ah ok, bah tu me... tu peux taper mon cul, oui, que je peux taper. T'es vraiment un trou de cul. Hein. Tu peux taper, mais je peux taper que la fusion, tu te fous de moi. C'est du monter à ça, je crois, attends. Ouais, tu peux taper le mur, on sera 1500, ouais, c'est ça. Ah là là, t'as aucune race là, franchement. Ah, tu peux taper mon cul, ouais, tu peux taper mon cul. T'es obligé de focus le monstre qui a le plus de level. Avec la terrain. Bon, c'est pas plus mal en somme. Ça, tu me l'aurais pas dit avant que je tape. Ah, lui, les effets. Hein. C'était le dernier effet, ça je l'avais pas vu par contre. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ça que tu te dis. Hein. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Tu viens de l'avoir maintenant que tu le fais remarquer, le dernier effet. Brian, le salopard. Qui va m'infliger, il va me lancer un monstre à 4 millions et quelques, je vais comprendre. Après, il va arriver, il va dire non, mais franchement. Ça c'est emmerdant déjà, plus d'effet. Coucou. Comment oses-tu?
Allez, on avance, invoque. Et lui, il peut attaquer directement, bim! Eh non, Brian, pas d'effet. C'est fini les effets. Par contre, il n'y a pas de poly dans le deck en fait, ou comment ça se passe? T'as Il y a des fusionné. polymes. Ouais, non, t'as utilisé un terrain ou que sais-je pour le fusionner. Non, c'était une carte magique que j'avais utilisée. 500 points de vie, 500 points de vie, jeté, 5500. Ouais. Un Dream Chaos. Un Dream Mirror, quand même. Ah, putain, t'es. Ah, Ah Adam oui, c'est vrai Dago a liké le stream. Merci, mon pote. que t'as annulé les effets, j'ai oublié. Fic. C'est vrai, t'annules les effets. C'est l'autre. Ah, c'est vrai, t'as une crasse. Oh, misère de misère. Paye pas à chaque fois 1000 points de vie, putain, c'est claqué, ça, par contre. C'est fou. C'était fou. Bah Denis, ce serait logique en somme, hein, genre. Ouais, Brian, bien sûr. Genre déjà de base, t'annules tes propres attaques, je me faire. Mais j'ai pas d'effet, Brian. Ouais, ça s'abaisse pour ça, je voulais. T'es contre que sur ton attaque brute. C'est pour ça que je dis que c'est un deck bête et méchant. Je dis, je te balancerai mon photon dans la gueule, t'as vu, enfin. Hein. Bête et méchant, c'est tout. Voilà, je tape comme un gros dératé. Bah, écoute, on va taper le Kuribo, il a l'air chouette. Regarde-le là. Regarde-le. Regarde-le. Salut Kuribo, comment vas-tu? Ah, c'est chouette, tu m'as mis mon attaque à zéro. Oh. Oh. Ça se terminera jamais, Brian. Ça se terminera jamais. Il est minuit. Ma femme m'attend dans le pieu et je joue à Yu-Gi-Oh! Tout va bien. La pauvre, tu la comprends ou pas? Ah, Metaverse. Salut, Metaverse. Ah. Je vais l'ajouter à la map parce que c'est pas. T'as les mêmes cartes! T'as la même carte, putain! Je n'ai jamais compris, merci. Mais normalement, j'en ai encore une autre de carte terrain, ou autre truc. Il y en a une des bannies, ouais. Ça veut dire que j'en ai déjà deux dans le cimetière, là. Il paraît que tu l'aimes bien ce dragon-là. Yeah, attaque. Ouais, mais quand il est de mon côté du terrain, j'aime bien, ouais. Bête et méchant, Brian, bête et méchant. Compris, merci. C'est chiant avec une simple piège, ça fout tout en l'air. Hein. Gueule un peu. Non mais là il n'y a aucun mérite, j'ai juste une piège qui a foutu tout en l'air chez toi, c'est tout. Tiens, t'as tes pièges chez toi, est-ce que tu as un effet lorsqu'elles vont au cimetière ou pas? Lorsqu'elle va au cimetière, je crois que non, je suis pas sûr. Je crois que non. Non, par contre, la carte piège que je viens d'activer, c'est quand un de mes monstres Dream Mirror part dans le cimetière, je peux activer son effet à elle. Et ça invoque spécialement un Dream Mirror depuis mon. Qui a plus ou moins le même texte. Bon bah GG.
Ça fait quoi de perdre alors que ton adversaire est à 500 points de vie? Ouais, bon, aucun mérite sur cette game là, franchement. Va y arriver, hein. On va y arriver, hein, ça va le faire. Et comme je te dis, j'ai l'impression que bah, le dragon paradigme sert à rien, quoi, c'est horrible. Ils ont basé la carte que sur des synchros de ton adversaire, mais tu joues pas synchro avec ton adversaire, c'est horrible. Y a pas assez de decks qui jouent synchro en fait. Tu sais, il aurait dit, on va dire qu'il y a 90% des decks qui jouent synchro, ben on va dire, ouah, allez, ça va, c'est bon, c'est pas si grave, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? J'ai réactivé son effet comme un con, j'aurais pas dû l'activer. Chier. Effectivement, Billy, tu es à chier. C'est une merde, Billy. Faire ça, c'est pas du tout où ça va me mener, mais on va le faire. Tiens, Pardon, son pote dégage. d'où, du comment, du pourquoi? Pour chaque évocation que tu fais, tant que j'ai un monstre Dark Dream Mirror sur le terrain, et bah tu ramasses tes dégâts. Voilà, t'as même. Ça te va comme. Comme définition. Salon! Il y a quelques modifications à faire au deck, clairement. Par contre, moi j'aurais dû mettre un métaverse et un terraforming seulement. J'aurais pas dû en mettre plus, je crois. Ah, c'est pour chaque invocation que tu fais. Non, pas les couilles. Aïe. Oh bah oui, ça attaque deux fois, bah oui, bien Non, sûr. ça attaque tant que je détruis un monstre. Oui, pourquoi pas. Ah bah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, mais bon. Notamment. Il doit m'expliquer, non? Tu veux me dire que j'en ai que deux des cartes Terror? Putain, foutage de gueule ça. Faut que j'en mette 3, vraiment. À toi, mon ami.
suis baisé parce que j'en avais que deux. Chier quoi. Bon, je suis baisé. Je peux taper quelques monstres, tu sais. Non, non, je m'en bats les couilles, genre. Faut que j'en mette qu'un. Il faut que j'en mette trois des cartes comme ça, putain. J'en ai mis que deux comme des cons. Putain, comme des cons. On va dire que faut t'avouer, faut à moitié pardonner, hein. Ça va aller, Brian, t'inquiète. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. T'inquiète pas. Oh, t'es ça comme ça. Oh, tu me chies, putain! Oui, mais pour ça. Un vieux poker, ramène ton cul. Ok. Oui, je suis là, quoi, qu'est-ce que tu veux? Ramène ton cul une dernière fois. Oh non, je vais aller pioter maintenant. Il est temps de terminer ce live. Juste vérifier un truc. Oh non! Espèce d'enfoiré! Ok. Il y a moyen tellement de faire quelque chose avec ça. Merde! Mais pourquoi me dire de la bestiole? Mais qu'est-ce que je fais? Seulement chez moi normalement. Oh, bah, je te souhaite une bonne nuit, monsieur. Bah, je te souhaite une bonne nuit également, monsieur. Et s'il y a encore quelqu'un sur le live, bah, je lui souhaite également bonne nuit. Et sur ce, bah, on se retrouve lundi pour faire du Ratchet & Clank. Et je pense qu'on est à la moitié du jeu, donc ce sera le premier qui en finira. Allez, sur ce, ciao ciao les gars. Ciao ciao Brian. Ciao.